Abonnez TAC 509. Yo. Bonjour, bonsoir à nous toutes. Content pour vous retrouver aujourd'hui pour présentation 5e numéro Yon ti kou Jesu Etienne Malan dans 5 minutes. Yon ti kou Jesu Etienne Malan dans 5 minutes, c'est un espace que TAC 509, ensemble avec moi-même, Kenny Vilsen, mette sous pied pour nous permettre qu'on connaît toute information qui gagne sur la culture haïtienne, mais particulièrement sur la musique haïtienne. Depuis quelques temps, nous lançons dans une série d'épisodes spéciales qui durait plus que 5 minutes, côté nous présenter soit des formations musicales, soit des artistes, soit des musiciens que nous estimons qui, par rapport à carrière que vous avez dans la musique haïtienne, ben, vous arrivez à marquer passage dans la musique si là. Et l'un dit marquer passage, il y a soit un groupe qui va exister encore, mais tout des groupes ou des artistes qui, quand même, toujours dans le business musique là. Et je dis, c'est de youn dans musicien ça, de youn artiste ça, que nous allons parler. Monsieur Relé Eder Stanis. Mais ou très probablement plus qu'on aime sous nom Pipo. Nous allons parler de Pipo, un gros tonton chanteur, un gros tonton vocaliste, une a plus bon dans la génération là. C'est de artiste ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais quittez nous rappelons que Eder Stanis Pipo, je fête en 28 juillet en 1978. Donc jeudi à Pipo gagne 41 ans. Monsieur qui fête dans ville Saint-Marc, mais monsieur grandit Gonaïve. Qui donc Pipo, c'est un nèg natif natal département la Tibonite. Mais Pipo qui quand même gagne en enfance, même j'ai avec un plus jeune garçon dans pays là, dans période ça, on nèg qui quand même levé avec parents li, qui pour le retrouver dans situation pour quitter pays là et pour rentrer au Canada et particulièrement à Toronto. Je vais le faire 1 an et demi à 2 ans à Toronto et je vais décider de traverser à Montréal. Et c'est là que carrière musicale monsieur qui c'est point qui plus concerné nous, qui plus intéressé nous, dans le cas de Tila Paoline, je dis à Val démarrer. Nous avons dit que carrière musicale Pipo commençait véritablement avec la formation musicale Passion Compas, qui plus tard va vivre Passion de Montréal, là, nous en 1996, et particulièrement avec la sortie du premier album du groupe qui était baptisé Souvenir l'amour. Mais pour monde qui pas connaît, Pipo son aigle qui commençait non formation musicale qui était relé Batman Revenge. Formation musicale ça, monsieur était fait partie de lui avant même que il était intégré Passion de Montréal ou bien Passion Compas puisque Passion de Montréal c'est donc que Jazz Apral prend après que le film réalisé premier album ni qui c'était Souvenir l'amour. Eh bien, il t'a dit que carrière musicale Pipo, j'aime des deals d'entrée de jeu vraiment commencé en 1996 avec son petit premier album. Donc 1996 à 2019, ça fait quand même 23 l'année de carrière. Pour on est pour Eder Stanis Pipo. 23 années de carrière, 11 albums studio produits avec différentes formations musicales que monsieur t'a chance chanter devant. C'est quand même un artiste qui montre le très prolifique. 11 albums en 23 ans, en moyenne de un album pratiquement chaque 2 ans pour Pipo. Et mais on nous garde gros tonton carrière que artiste ça a gagné, artiste ça qui est Eder Stanis Pipo. Nous te dit lui carrière monsieur véritablement commencé en 1996. Le ça, monsieur pral sorti avec Passion Compas, premier album ni qui était baptisé Souvenir l'amour. Un album qui quand même te connaît un succès assez relatif au niveau de Montréal côté groupe là établi avec des musiques tant que Macorel, des musiques tant que Magda, des musiques tant que Souvenir l'amour, des musiques tant que Haïti, tant que Shirley, autant de titres qui quand même te joint une appréciation en bonne frange de public montréalais à l'époque. Et 3 ans après, Pipo, ensemble avec monsieur qui te fait partie de Passion ou ensemble avec elle, pral sorti deuxième album Passion. Deuxième album ça, c'est avec lui véritablement, moun pral estimer que là, gen bagay pour moun commencer à apprécier. Là, gen bagay pour moun vin chita tande. On a parlé de l'album Si Belle là. Album ça, que d'ailleurs, titre éponyme, musique qui est Si Belle là. Qui sont compositions de Eder Stanis Pipo pour le cartonner. Et jodi a, si n'a parlé de youn de d'un plus gros succès que Pipo réalisé pendant carrière li, ou pas capable mettre en musique tant que Si Belle là-dedans. Et bien, Si Belle, c'était titre éponyme deuxième album que Pipo pral produit avec Passion, un deuxième album qui sorti en 1999 et qui gen sou li des musiques tant que Zami, tant que Ou pas ça, Believe, Macho Man, Jasmine, Jouer la vie ou musique et tant d'autres. Une superbe production qui quand même, j'aime te dire, mettait ou bien positionner la formation musicale Passion en compagnie de Eder Stanis Pipo sous échiquier musical haïtien qui pourrait le faire, dit la grande formation musicale que me passait en
pile moun doit intéressé avec. Et ben 2 ans après, soit en 2001, Pipo avec passion pral réaliser dernier album yo. Même si dernier album yo, ça veut dire Pipo pral obligé Crason quitter ça dans Passion de Montréal pour la faire de l'autre expérience. Album ça, j'en te dit, il sorti en 2001. Son album qui baptisé Mystique là. Un superbe projet qui te gagné un hit encore une fois sous lit. Musique Tires là qui te retrouvé sous album ça qui gagne tout des musiques tant coup titre pour l'album dans Mystique Weekend Zam Asweya Tires là comme sorti cité Junkie. Autant de superbes compositions qui te retrouvé sous album ça qui c'était dernier album que Pipo pral produit avec la formation musicale Passion de Montréal avant même qu'il quitte formation musicale ça où il a intégré le groupe Design. Et avec Design, aventure après commencer d'abord avec un album live que Pipo pral sorti avec formation musicale ça, avant même que le sorti album studio, créer un album que l'gain chance enregistrer avec formation musicale Design là, album qui est baptisé Son Laria, un album que un pile monde connaît puisque album ça a gagné une superbe composition que Pipo chanté pendant carrière lui qui est baptisé Son Géo. N'a pas rappelé que l'album Son Laria li sorti en 2003 et il gagne sous lit des musiques tant que Son Laria, Belong to You, Busy Busy, Jaco, Doggy Style, Songe ou autant de titres qui retrouvé sous album ça que Pipo produit avec la formation musicale Design, deuxième formation musicale que Pipo passait pendant carrière li, si nous retirer première formation musicale là qui c'était Batman Revenge, dans tout le monde vraiment pas connaît d'ailleurs Pipo pas vraiment connu lorsqu'il était fait partie formation musicale ça il me dit Pipo qui pral exposer talent au grand public à travers la formation musicale Passion qui t'a évolué du côté de Montréal. Et puis seulement un an après sorti album Son Laria, Pipo qui en pile monde relait le pigeon voyageur du compas direct par rapport au fait que monsieur Sonek qui passait en pile formation musicale. Et nous pral rendre compte de ça là, Pipo qui pral quitter Design avec lui qui sorti album Son Laria en 2003 et lui pral intégrer la formation musicale Hangout, une formation musicale que lui-même avec de l'autre ami d'ailleurs mettait sous pied. Formation musicale ça pral sorti en 2004, premier album studio yo qui était baptisé Côté au campé. Bel album sorti, en pile musique sur album ça cartonné, nous ca citer des musiques tant coup. Pourquoi? Une superbe musique qui retrouvé sur album ça, 911, Dans ses compas, Côté au campé, Hangout, La femme, yo joué dans joint moi, pas jugé, m'pap marié. Autant de superbes compositions qui retrouvez sous premier album Hangout sorti avec Pipo qui était baptisé Côté au campé là nous dans l'année 2004. Et seulement 3 ans après, Pipo avec Hangout pral récidiver avec un autre superbe album, l'album 4 pouvoirs qui sorti en 2007. Album ça qui était gain sous lit des musiques pour mettre une cool, embrasser afem sepam, gérer les léo, Haïti sous lumière rouge, sentiment 4 pouvoirs titre pour l'album là, autant de compositions qui te retrouvé sous album ça qui sorti dans l'année 2007 et ce dernier album studio que Pipo gain chance produit avec la formation musicale Hangout avant même que Pipo ensemble avec deux musiciens qui étaient dans Hangout avec mais là derrière de l'autre musicien qui va le former quatrième formation musicale que Pipo passer dans carrière li, après Passion, après Design, après Hangout, et la formation musicale Bel Jazz. Et avec formation musicale ça, en pile mon estimé que là, Pipo pral joindre point de stabilité puisque Pipo pral pratiquement ensemble avec Ralph Melelas comme maestro mettre à penser de formation musicale ça qui est le Bel Jazz. Avec formation musicale ça, malheureusement Pipo seulement gain chance sorti un grand album ensemble avec lui et là nous dans l'année 2008, album qui était baptisé Vent Viré, superbe album. D'ailleurs, en pile monde te même pensé que c'est une formation musicale qui t'a pas établi sous marché musical haïtien par rapport à quantité de hits qui t'est retrouvé sous album ça qui t'est baptisé Vent Viré qui t'est sorti en 2008. Un album qu'on joint sous lit des musiques tant coup Vent Viré, tant coup Relation, En nous fêter, You Are the One, un hit album ça qui t'est gagné Together, qui t'est gagné Oufoukouli, qui t'est gagné SOS, qui t'est gagné Problème nous, Tifosi. Autant de superbes compositions qui t'est retrouvé sous album ça, un véritable repère de hit, sous prenez musique tant que You Are the One, tant que Foucouli, tant que SOS, tant que Pays a pas pour vendre, tant que Haïti sous lumière rouge. Des musiques que Mounio t'es vraiment qu'on chanter tout partout côté Bel Jazz lui-même l'a performé en live. Et seulement 3 ans après l'album ça a fini sorti, Pipo qui lui-même pral
intégré 5e formation musicale dans carrière li, la formation musicale New Look, la bande à Arly la Rivière à la suite de départ de Gasman couleur de formation musicale ça en 2010, puis pour aller intégrer et pour produire l'album Confirmation en 2011 avec Arly la Rivière pour le compte de la formation musicale New Look. Et là, album Confirmation sorti, en pile belle musique vous trouvez sur album ça, un album qui est une meilleure composition pour un pile observateur et pour moi particulièrement une meilleure composition que Pipo chanter pendant carrière sous lit la chanson baptisée Destination Finale. Mais sur album ça a des musiques tant qu'à qui la faute tant qu'au Was It Mean To Be tant qu'au Le Nouveau Look tant qu'au des musiques li pas normal parce que m'jaloux nous prenons mes rats pays jeunesse futur m'en vie prend autant de titres qui étaient retrouvés sur album ça qui c'était un album qui sorti en 2011 avec la formation musicale New Look que Pipo lui-même t'ai une chance participer sous projet ça comme chanteur. Et puis tout de suite après expérience New Look là, Pipo va le faire en l'autre expérience. Et c'est selon toute dernière déclaration que Pipo fait, dernière expérience dans la musique haïtienne. Parce que le point que côté lié là, jodia li nan ligne. Et depuis nous parler de ligne, on a parlé de formation musicale classe que Pipo va intégrer en 2013. Il a rappelé que formation musicale ça qui prend naissance en 2012, il fait expérience avec deux jeunes chanteurs avant même que Pipo t'ait intégré. On a parlé de Hollywood et puis on a parlé de Clémay. Deux chanteurs ça yo, t'es gagné une chance de chanter en musique studio qui t'est sorti et qui t'est vidéoclippé pour formation musicale classe là qui t'est baptisé Bagay Neuf. Et le Pipo vini, mais Pipo va le prendre devant Dia ça pour lui et on va le sortir premier album yo en avril 2013, album qui t'est baptisé Fel vini avant. Avec album ça Pipo repositionné comme un bon chanteur qui gagne dans la génération là. Richie confirmé qualité de maestro, qualité de compositeur, arrangeur que hier avec un super album, un album qui te gagne sous des musiques tant qu'ou Fel vini avant titre éponyme album là, qui te gagne en musique tant qu'ou You Don't Want Me, tant qu'ou You Towing Me, tant qu'ou Petite Dehors, priorité musique ça, en superbe composition que voit Pipo retrouver le souli, autant de compositions qui te retrouvé sous premier album studio que Pipo produit avec la formation musicale classe là nous en 2013. Et trois ans plus tard, formation musicale classe parle récidivé avec un autre album là nous en 2016, album qui pral baptisé Fais la toute cœur. On l'autre album qui sorti avec de l'autre hit souli, en musique tant que l'argent serré, son musique qui cartonné, en musique tant que map marié, c'est des musiques qui quand même passé de présentation qui retrouvé au sous deuxième album que Pipo produit avec la formation musicale classe comme chanteur. Là on a parlé de l'album Fais la toute cœur qui sorti en 2016. On a rappelé que l'album ça a gain souli des musiques tant que Fais la toute cœur, map marié, LOL, LOL, Pafie, I'm Sorry, Range Chitao, Let's Make It Work. Autant de belles compositions, l'agent serré, m'te rappelé tout à l'heure, qui te retrouvé au sous deuxième album studio que Pipo produit avec la formation musicale Classe avant dernier album que Classe sorti pour année 2019. Là, on a parlé de l'album Retenant Lignouan qui c'est dernier album que Pipo produit avec la formation musicale classe, troisième album que le produit avec formation musicale ça, mais onzième album que le produit pendant toute carrière lui comme chanteur, qui durait 23 ans déjà et qui va poursuivre éventuellement avec la formation musicale classe. Et si nous t'accueillons Pipo, en carrière, en expérience, qui continue avec la formation musicale classe, la bande à Romy Luxen Florestal El Pozo, la bande à Nixon Mesidor Niki Bass, la bande à Jean-Hérard Richard Richie, autant de belles têtes, autant de superbes musiciens qui retrouvent dans la formation musicale ça que Pipo Genchan chanter devant. Donc, 11e album pour Pipo en 23 ans de carrière, 3e album studio avec la formation musicale classe que monsieur intégré en 2013. Donc ça fait 6 ans déjà et c'est une nan rare fois que Pipo fait autant de temps dans en formation musicale, 6 ans déjà au sein de la formation musicale classe pour Pipo, alors que deuxième formation musicale que monsieur fait plus temps la donne, c'est la formation Passion que monsieur était intégré dans l'année 95 pour entrer 96, mais en 1996 avec date sortie premier album formation musicale ça, et que le quitté dans l'année 2001-2002, donc 5 à 6 ans pour Pipo au sein de la formation musicale Passion qui a évolué au niveau de Montréal. Et j'en ai toujours fini l'épisode spécial. Yo. C'est le moment pour nous côté baou des détails de taille concernant la carrière de Eder Stanis Pipo.
Mais qui nous dit que Pipo, lui connaît 6 formations musicales pendant la carrière, lui comme chanteur qui durait 23 ans. Toujours rappeler que nous retirer formation musicale Batman Revenge, qui c'était une expérience que Pipo fait, mais qui était une expérience méconnue du grand public. On a parlé de formation musicale Passion, Design, Hangout, Bell Jazz, New Look et Class. 6 formations musicales pour Pipo, 11 albums produits en 23 ans de carrière. Et rapidement, en guise de précision, nous avons dit que avec formation musicale Passion, Pipo produit 3 albums, Souvenir l'amour, Cybelle, Mystique-là. Avec la formation Design, il produit un grand album, l'album Solaria. Avec la formation musicale Hangout, il produit 2 albums, l'album Koto Kampé et l'album 4 pouvoirs. Avec la formation musicale Bell Jazz, il produit un grand album, l'album Vent Viré. Avec New Look, il produit un grand album, l'album Confirmation. Et avec Class, il produit 3 albums, Fell Vini Avant, Fell à tout cœur et puis Grip dans l'île. L'autre détail important sur Pipo, monsieur que ça pas trop concerné carrière musicale monsieur, même pas c'est grand pile monde qui t'a aimé connaît expérience que monsieur fait avant même que le t'est rentré dans poser musique surtout les rivières Montréal. Mais qui t'aime rappeler nous que Pipo c'était quand même un coiffeur que monsieur était avant même que le t'est rentré à fond dans musique. Monsieur c'était un nègre qui était dans un barbershop au niveau de Montréal qui était besoin de belle chasse pendant période ça. Mais c'est Pipo pour t'aller ouais et c'est d'ailleurs dans barbershop ça même que Eder Stanis va venir porter nom Pipo a que il va adopter comme nom de scène. Je me suis toujours estimé que Eder Stanis là comme nom c'est très difficile pour nous kembe alors que Pipo a c'est plus facile pour lui Pipo monde tout le monde. Une autre anecdote importante sur carrière musicale Pipo. Pipo raconter ça dans quelques interviews que le fait que monsieur te prend en pile pression dans moment New Look t'a formé. Puis j'ai gagné des négociations qui t'a entreprendre que monsieur t'ai fait partie de projet de base là avec Harley La Rivière. Là nous en année 2000. À l'époque monsieur Pral quitté Passion de Montréal. Donc New Look t'a pral formé après que Harley fin quitté formation musicale Design l'en tombé et donc gagné selon sa Pipo rapporté on frais gazman pour le. Il t'a balan pile pression pour pas t'intégrer formation musicale ça et il te recevoir en pile menace qui te fait que lui abdiquer par rapport à option qui t'est présentée devant pour t'aller à l'intégrer la formation musicale New Look au côté de Harley La Rivière dès la formation même de ce groupe musical dès la mise sur pied soulevée de cette formation musicale la formation musicale New Look la bande à Harley La Rivière maestro de son état. L'autre détail sur carrière Pipo qui t'aime dire que Pipo t'a gagné en pile chance pour t'intégrer la formation musicale Zinglin dans période côté Gracia Delva t'a gagné pile problème administratif au niveau de États-Unis d'Amérique et là ça équipe Zinglin yo même yo t'ai checké Pipo pour t'intégrer formation musicale ça pour t'ai remplacer Gracia Delva mais bien avant d'ailleurs pour t'ai metté campé au côté de Gracia Delva par rapport à problème que Gracia t'ai déjà confronté lorsque Jazz Ali même était gagné pour le déplacer donc monsieur Zinglin qui t'a essayé garder comment on était capable de mettre un autre chanteur aux côtés de Gracia Delva et nous connaissons déjà position Pipo par rapport à l'expérience de chanteur c'est un chanteur dans la musique haïtienne toujours dit ça n'est pas jamais à l'aise avec un deuxième chanteur au côté et toujours concernant l'information musicale Zinglin qui t'a checké Pipo pendant la période Gracia t'a un problème dans pour intégrer Jazz ça et ben Pipo qui t'a pas gagné de l'autre expérience avec musicien Zinglin puisque pour rappeler, lorsque formation musicale Hangout t'a pral formé en 2004 pour te sortir premier album yo qui t'est baptisé côté au campé, eh ben équipe Hangout là lui-même tout t'est checké plusieurs musiciens au sein de Zinglin pour te venir intégrer Hangout. Et dans période ça, Zinglin qui t'a confronté des difficultés avec musicien yo et n'était la présence et les moyens financiers particulièrement non nèg pour Achille Saint-Hilaire pour te remettez l'ordre dans des ordres qui te gagnent dans Zinglin dans la période ça, mais Hangout lui-même t'apprend plusieurs musiciens de la formation musicale Zinglin pour te former Jazz ça, pour te sortir premier album qui te baptisé côté au campé. Mais heureusement pour la musique haïtienne, Zinglin pas perdu musicien lui, Hangout sous Bopal te sorti album ni avec ses propres musiciens, l'album côté au campé. Et dans la même période ça, on a rappelé que Zinglin t'a sorti album 5 étoiles là avec Reginald Tanger et Jean-Edouard Jean-Baptiste dit Frérot. Dans la même logique pour checker de l'autre musicien pour aller monter de nouveaux projets, mais Pipo qui va retourner croiser avec la formation musicale Zinglin. Puisque en 2007, pour aller entrer dans 2008, Pipo a gagné volonté pour le mettre sous pied
ben la formation musicale Bel Jazz. Et le ça, monsieur Tcheke Nickenson Prudhomme qui lui-même était presque d'accord pour mettre formation musicale ça sous pied ensemble avec Eder Stanis Pipo. Malheureusement, dit la pas faite, eh ben Pipo pas associé avec Nicky pour monter Bel Jazz. Nicky Yombo va former la formation musicale harmonique avec les deux autres compères. On a parlé de Mackenzie Talon avec Sanders Solon, avec support financier, on est en cours de Noël. Il va le mettre harmonique sur pied en 2008 et il va le sortir album Jérémy. Et puis Pipo lui-même, avec Ralph Fenelas, avec l'autre musicien, pour le mettre sous pied le projet Bel Jazz et pour le sortir la même année ça, l'album Vent Viré. Et dernière anecdote là, lui concernait même formation musicale ça, Bel Jazz. Les Bel Jazz vini, la femme de mon patron sortit comme test pressing pour annoncer Bel Jazz qui pourrait arriver. La femme de mon patron lui bat moun sous béton comme musique qui fait sortir avec la voix de Pipo qui a peine quitté Hangout. Eh ben Pipo pral sorti album Vent Viré avec Bel Jazz. Un album qui gagne sous des musiques tant pour You Are the One, des musiques tant pour Oufou Pouli, musique tant pour La femme de mon patron qui était sorti avant pour te annoncer album n'a vini. Eh ben Pipo qui pral checker la formation musicale New Look pour faire grande première formation musicale par là qui est Bel Jazz. Pipo même avoué que bon parti dans l'argent que t'es doué bail programme ça fait là que t'es versé by Gazman pour le lui-même personnellement et jusqu'à aujourd'hia formation musicale New Look pas jamais répondre invitation Bel Jazz. Donc grande première la fête sans la présence de la formation musicale New Look alors que initialement c'était un New Look Bel Jazz tandem pour grande première Bel Jazz là t'es doué. Malheureusement les contrats ça lui-même pas trivé au nom. Et c'est sous notre ça, on a mis ton bout dans 5e numéro Yon Ti Kou Dje sou Etienne Maela, version spéciale ça. Version spéciale ça, t'es consacré à un nèg tan kou Eder Stanis Pipo. Après 23 ans de carrière, après 11 albums studio produits, après 6 formations musicales connues, bah c'est important pour TAC 509. T'es fait Ti Kou Dje ça sous carrière Pipo. Parce que ou même tout, c'est pour un pile plaisir tant d'informations ça aussi pour des informations côté qu'on est, mais certainement gagner des informations, gagner des détails au pas tout courant de yo. Nous sommes contents pour nous côté pour vous. Continuez suivre nous tout côté nous disponible. Nous c'est TAC 509. Bye bye tout le monde.